Bonjour internautatrices et internautateurs, ici Gaëlden pour les clans du cygne, pour les jeux du cygne, pardon. Nous retrouvons le clan du cygne, justement. Alors, j'ai vu une petite ruse pour que les plantations d'arbres soient plus efficaces, parce que sinon il leur arrive de faire un peu n'importe quoi. C'est de faire un truc comme ça, pour qu'ils plantent bien un arbre à chaque endroit et qu'ils voilà, ils coupent le, je vais le couper parce que sinon il peut pas en planter deux côte à côte et voilà ils sont un peu bêtes et ils sont pas capables de savoir comment bien faire donc il faut un peu les guider. Tiens, Broudaf, tu peux me convertir quelqu'un, ça tombe bien, j'ai besoin de convertir les gens. Alors, qu'est-ce qui est vraiment pas content? Qu'est-ce qu'il y a? Alors déjà, on va voir qui est sur le point éventuellement de changer. Hop. Ah mais je crois que je peux faire. Je vais quand même vérifier. Hop. Ah, alors toi, Postlevette, je pourrais relativement facilement te convertir. Zikino, ce serait pas mal aussi. Et Toshiro aussi. Alors, Postlevette, est-ce que je peux faire le lavage mental? Hop, tac, ça c'est un grand hôtel. Un rituel de conversion. Tac. Sur Postlevette. Non, même Postlevette, en fait, je vais faire sur. Je peux pas le faire sur Damnamite. Parce que Postlevette, je peux le faire à la main. Parce qu'avec un peu de bol quand même, ces trucs-là, ça permet de changer de faire changer d'un coup. Perception de la pièce, par contre, elle n'est pas terrible. Ouais, il faudrait qu'il ait terminé le carrelage. Allez, hop, on va autoriser le carrelage avant. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je ferai une grosse séance de conversion après. Et tu vas essayer de me convertir Postlevette à la main. Broudaf. Hop. Hop. Voilà, donc là on va essayer d'améliorer la perception de la pièce. Dans l'idéal même. Pourquoi est-ce que. Ok. Un plafond s'est effondré. Oui. Ouais. Donc. Papillote se fait pas écraser, moi ça me va. Broudaf a converti, si, super. Alors du coup, peut-être que Postlevette va un peu moins criser. Du coup, ouais, fait, toujours son sevrage d'alcool. Bon, c'est une bonne chose quand même. Bonne chose de fait. Là, ça m'arrangerait quand même que ça leur tombe pas dessus. Tu vas me faire un. Grès. Une colonne en grès. Hop. Ah ben non, je peux pas la construire. Régler. Parce que c'est en dehors de la carte. Hop. Je suis la carte. Alors ici, on commence à vous gérer un peu les choses. Je pourrais agrandir un peu mon bordel. Je pourrais me faire des vraies portes. Un peu plus solides que ça. Bon, quand est-ce que tu veux être... Sevrage 13%. Alors, Célestine, pourquoi t'as pas d'armes à distance? Ah oui, parce que je devais en construire une, c'est vrai. Faites! Allez, c'est la teuf. Ça va redonner un peu du moral à tout le monde.
Oh, bordel. Mais non, mais... Putain. Je suis totalement pas d'accord. Bon, on va la mettre pendant un temps cellule de dégrisement. On va faire comme avec Célestine. Oh, chier, bordel. Je vais m'arrêter. Avant qu'il me défonce. Mon poste high-tech. Tac. Fais chier. Et chier. Et au poste levette. Qu'est-ce qu'il m'a foutu? Rudaf. Rudaf. Ah, elle est là, d'accord. Bon. C'est reparti. Ça va être combien de prisonniers recrutés? 17 de résistance. Bon, faut dire que c'est pas non plus le perso le plus utile au monde, mais quand même. Bon. Ça va, je vais pouvoir terminer tout ça. Ah oui, j'ai un petit conseil que j'ai pu glaner à droite à gauche. C'est de mettre les portes en métal dans les prisons. C'est vrai que ça peut sembler con, mais une porte en métal, normalement, c'est plus dur à casser. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ça a quoi comme durabilité? Point de santé 160%. Et si je fais une porte en calcaire par exemple, ouais, ça a plus de points de vie. C'est tout naze. Bon, on va les faire en granit. Parce que ça, ça a combien de points de vie? Porte en bois, 104 PV. 250 PV, quoi. 210. De toute façon, le plus solide, c'est le granit. Allez, go pour du granit. 185, ça devrait le faire. Tiens, pourquoi j'ai pas de piège ici? Projet de recherche nécessaire. Ah oui, c'est vrai que j'avais terminé mes portes automatiques. Alors, vu que quand même mes gens ils sont censés être plutôt tech, ça fait quoi sur les compresseurs neuronaux, améliore la conscience et le taux d'apprentissage, augmente la faim, les transhumanistes considèrent que la surimplantation neurale est pratique importante. Ok. Biosculptage. Ouais. Bon, allez, on va essayer. De toute façon, ça coûte autant l'un que l'autre. Allez, on va essayer le biosculptage. Voir ce que ça donne.
Vous avez rien d'intéressant. Nope. Tiens, là, il manque combien pour que mon tapis de prière soit complet? Il manque. Ouais. Allez, on repasse en vitesse accélérée. Effondrement de toiture. Merde. Papillote. C'est bon. Moi, ça me va. Hein. Ces choses ont été écrasées, mais. Je suis un peu con parce qu'en fait, je mine des trucs alors que j'en ai déjà plein à dispo. Gravats d'ardoise, va me chercher tout ça. Hop, gravats de marbre. Gravats de calcaire. Allez, vite. Et Célestine n'a toujours pas d'arme à distance. Catatonique. Ouais, bon, alors reste prosté dans ta chambre, je m'en fous un peu. Je m'en fous un peu. Alors. Donc, Célestine. Célestine. Qui c'est qu'il y a elle est où, Célestine? Est-ce qu'elle est bien à sa place? Avec 14,56 de tir. Bah non, c'est ma meilleure. Oui, si, c'est ma meilleure tireuse, c'est ça. Donc, Ardarine, tu vas lâcher ton fusil à pompe. Bon. Hop. Célestine, tu vas venir chercher quand tu auras fini cela. Du coup, Ardarine, tu vas aller me chercher ça ensuite. Ok. Bien. Ah. Quand ça déjà avoir un peu plus de gueule. Très impressionnante. Ardarine, conversion. Non, c'est Boudaf. 1,9 jours. Ça, ce sera pour Postlevette. Quand elle sera moins en colère. Il pourrait me démontrer des trucs qui poseraient pas de problème. Franchement, il n'y a rien à faire. Zut. Qu'est-ce qui a fait zut? Laurie qui fait zut. Hop. Hop. Allez, on va m'éteindre ça. Tac, tac. Eh, mais va t'éteindre hein, d'une courir dans tous les sens. Voilà. Bah tu sais quoi Célestine, tu vas te mettre là en attendant que je le mette. Hop, se calme un peu. Ouf, non, pas un drone si chic, putain. Avec le moral de mes troupes en général. Quel drame. Zikino. Ouais. Ouais, bah, tu m'étonnes qu'il ait de démence. Faire un discours du chef. Histoire de booster un peu le moral. Allez, tac. On écoute le chef.
C'est Onyx qui vous parle. Inspirant. Alors, Onyx a terminé son discours, c'était remarquablement inspirant, plein de densité. Popularité d'Onyx, wow. 10 sur 10. Les personnes suivantes ont été... Ah oui, c'est juste ça en fait, c'est de... D'accord. Bon. Ok, ok. Bénédicte tire pour Moussardé. J'avais dit qu'il me fallait une pièce de plus. Même peut-être plusieurs pièces de plus. Hop. Des fois que je récupère encore un peu de monde. Méchant en 4x4. Hop. Juste là, ça ira. Je vais faire quoi? En ardoise ou en... Qu'est-ce que j'ai le plus? 222, 266. Bon, on va faire comme ici. Mur en ardoise. Hop. Ben non, parce que là, je suis en... Non, ben donc mur en calcaire, on va faire à l'inverse. Hop, mur en calcaire. Tac. Hop, tac. Tac. Tac, tac, porte en ardoise, en calcaire, pardon. Tac, et tac, et par contre on a dit le sol en ardoise, carrelage en ardoise, tac, 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 et de mobilier en marbre. Zut. Oh putain, boulet. Il sait pas compter. Il sait pas compter. Tac, tac, tac. Table de nuit en marbre. Tac, tac, tac. Commode en marbre. Tac, tac, tac. Tiens. Alors, tu peux mettre là aussi. Hop. Et du coup. Voilà. Et ensuite, ici, je fais du polissage. Aplanir la surface. Tout le... Tac. Voilà. Comme ça, je pourrais définitivement me débarrasser de tout ça. L'ouvrier est totalement guéri. Ça tombe bien. J'ai besoin de faire des blocs. Attends, je vais préciser un tout petit peu plus. Tac. Non, pas en boucle. Tac. Jusqu'à en avoir 400. Hop. 400 et marbre, même chose. Voilà. Et à chaque fois, on monte. Tac. Tac.
Et tac. Et ensuite, tu répètes en boucle. Voilà, comme ça permet d'avoir un peu de tout. Voilà. Laurier. Va manger, mon gazon. C'est important d'aller manger. T'as faim, tu vois bien. Ah tiens, il me faut de l'électricité aussi. Il paraît. Ça peut servir. Hop. Et du coup, de la lumière. Tiens, je vais me... C'est quoi je vais mettre? Ça pour les prisonniers. Comme ça, excellent. Hop, ça lui fera une meilleure opinion. Tac. Là, je vais mettre affecté aux colons. Qui c'est qui fait joli habituellement? Pilote par exemple, non, t'es loin. Tout le qui ont hop. Tu veux combien on lui pose la bête? Ah, ouf. Je vais juste apporter ta table. Tac. Et je pourrais même te mettre une chaise, donc. Allez. Soyons. C'est quoi ça comme pièce? Terme, c'est vrai. Il faut attendre que ce soit terminé. Se cache dans sa chambre. Elle est trop dans le mood, pousse levette. Elle en veut, elle est à fond les ballons. Bon, si je pouvais avoir du coton, j'aimerais bien. Si 131 de bois, ça va. Tiens, il y a un truc que j'ai pas fait qu'il faudrait que je fasse. Température, ventilation. Comme si à un moment j'ai un coup de froid ou un coup de chaud. Légèrement. Mais quel con! Allez,
Hop. Splendeur médiocre. Pourquoi c'est seulement médiocre? Parce que c'est sale. Excellent, excellent, excellent. Tac. Hop. Biosculptage. Alors, comment ça fonctionne? Biorégène. Débloquer le cycle de biorégénération de la capsule de biosculptage. Guérir les cicatrices. Ah, c'est bien ça. Allez. Faisons donc biosculptage. Alors, ça sera dans idéologie, j'imagine. 120 d'acier, 4 de composants. Où est-ce qu'on va faire ça? Bon, par ici, pourquoi pas. Hop, ça me permet même éventuellement d'en mettre deux si besoin. Qu'est-ce que ça nous fait ça? Commencer un rituel de conversion sur. Sur. Qu'est-ce qu'on va convertir? Attends, je regarde. Termes de besoin. Vu de la viande humaine, oui, c'est ça. Eux, ils sont chiants. Pas compte avec quête récente. Eux, ils sont vraiment chiants. Eux, ils veulent quoi? Exécution, esclave. Ouais. Ils veulent mangeurs spirituels, de la viande humaine. Putain, ils sont tous chiants. Même les miens, ils sont chiants. C'est qui est magique. Allez, on va faire Damnamite. Ouais, comme il me semble assez chiant. Rituel de conversion pour Damnamite. Paf, comme ça. 72% seulement, bordel. Allez, c'est parti. Poum. Vendeur de produits exotiques, très bien. Allez. Efficace. Ouais, on prend 70%, tu parles. Et H. H. Papillotes. Tiens. Je vais contacter ce gars-là ensuite. Alors, qu'est-ce que tu vas vouloir? Pas par exemple. Moi, je veux bien m'en débarrasser. J'ai 1500 thunes. Je vais prendre des composants. Toujours besoin de composants. Peut-être pas au point de lui donner des sous, mais. Allez. Hop. Pardon, toute petite pause. J'avais presque rien vu. Visiteur, colon inactif, c'est moi qui ne sais pas quoi faire.
Quel moral de merde. Cellule de prison décente, je te jure. Je t'en foutrais de la décence. Alors. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que j'ai toujours pas trop de quêtes? Alors, j'ai un grand édifice, il me reste. Il me reste, doit être terminé à 15 jours. Il me reste combien de temps? Je sais pas. Je sais pas. Tiens, ça je peux démolir par exemple. Ce sera une excellente occupation. Hop, on démolit tout ça. Et on va même... On va même démolir tout ça. On va agrandir notre entrepôt. Et... Qu'est-ce que je vais faire comme porte? Je vais faire structure, porte en calcaire. Je voudrais une porte en calcaire là. Que des portes en calcaire. Tac. Hop. Tac. Tac. Je vais faire une autre porte en calcaire là. À l'intérieur, je vais faire des portes en bois. Bon, j'ai tout ce que je veux. Okay. Allez, ne soyons pas chiches. Radin. Alors, les trucs à vendre, toi. Cette papillote qui fait du commerce. Nye, nye, il va trop vite. Quand tu seras réveillé. Ah bah, t'es déjà réveillé. Stratégie de négociation. Ah, attends, bon, ça va être un mix. NB, mix, que tu es. Tu es là. Ouais, c'est mieux quand même, un coup de 1,6. C'est plus efficace. Dans les 45 en même temps t'as vraiment rien d'intéressant. Si t'as 78 de thunes et ça je le prends. Qu'est-ce qui est horrible là? Rien. Qu'est-ce qui est médiocre? Hop, tout ce qui est médiocre j'en veux plus. 193, ok. Quand même pas très très riche hein, je trouve tout ce qui est 50% là tac allez donne les sous ouais donne les médicaments les rations de survie bon allez j'ai des trucs à te refiler 50% on revend pantalon de tissu normal on revend.
Qu'est-ce qu'on revend d'autre? Tac, médiocre, c'est déjà fait. Bonnet en tissu, ça vaut pas grand-chose. Chapeau de cow-boy en tissu, bon. Ouais. 66, bon. Donne mes sous-sous. Voilà. Du coup, voilà, elle a perdu son bonus. C'est pas bien grave. Qu'est-ce que ça fout là-dedans, ça? Copier. Coller. Yes, ça y est, j'ai du coton qui arrive. On va terminer ce qui en nécessite. Est-ce que ça va... Je vais pas avoir un moment un problème de... Toi qui va s'effondrer. Je fasse un peu gaffe. Tac, mur en calcaire, complètement ça. Alors, peut-être mettre une deux colonnes quand même. Colonne en calcaire. Histoire d'être sûr que ça déconne pas. Tac. Et tac. Allez. On démonte tout ça. Au niveau énergie. On passe par là. Et peut cela être bien nous. Ok, nickel, ça c'est fait. Alors, je vais du coup réinstaller. Installer ça là. Et tout ce qui est de lumière.
là pour que ça prenne. On va mettre plutôt les outils à gauche, histoire qu'ils soient tous gérés par la boîte à outils et le stockage à droite. Et puis je pourrais même envisager de faire un vrai sol. Alors, pas forcément une fois aussi. On va faire un petit sol bicolore. Alors, sol bicolore, je vais me le réserver pour ici. Je vais faire ça comme ça. Je vais faire un sol. Hop. Bicolore ici. Très bien. Tac. 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 Chose là. Attends. Continuité. Ah, but. Un, deux, un, quatre. Quatre. Voilà, comme ça va me dégager un peu de calcaire. Et là. Bon d'un yinche. Tac. Waf waf. Hop. Du calcaire, c'est bon, c'est ce qui est en priorité. Et j'ai besoin du coup de caillasse en calcaire. Patrick, arrêtez de vous taper dessus, bande de couillons. Bande de gros abrutis. Bon, normalement avec tout ça, je devrais vraiment pas avoir, je devrais vraiment avoir aucun problème de stockage. Hop, copier les paramètres. Ah merde, je peux pas les faire. Après, si je peux le mettre là. C'est chiant en fait quand ils ont mis. Quand ils ont apporté le bois. Tiens, là ils en ont mis un. Ou c'est moi qui l'ai oublié. Si possible, tac.
conversion, 80%. Ah tiens, ça j'ai pas vieux sculptage. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, début de rajeunissement, inverse le vieillissement de 1 an. Cycle de soins, guérir toutes les blessures récentes, les pertes de sang et maladies infectieuses aléatoires. Débute cycle de plaisir, remodeler temporairement le système nerveux pour offrir des niveaux élevés de bonheur pendant un certain temps. Ah d'accord, c'est qu'on le met dedans. D'accord, ça installe. Ah, je vois. Vous avez rien d'intéressant. Ah oui, non, ça c'est. Percepteur de mages royaux, je m'en cogne. Qu'est-ce que je peux faire comme soin? C'est toutes les blessures récentes, perte de sang, maladies infectieuses aléatoires. Non, bah ça va. C'est bien régénérant, ça qui. Oh putain! 13,4 jours, même pour un. Mais quand même. Ce qu'il faut que je fasse, c'est les. Les trucs neuronaux là. Foutage du bois encore. Hop. Mobilier. Mobilier, commode en marbre. Tac. Table de nuit en marbre. Tac. Toi. Va ici. Là, toi tu vas là, hop, réinstaller, tac, histoire de voir mes lits au milieu, que je puisse faire l'accélérateur de sommeil là. Ça coûte combien? 5 composants? Bah j'en ai 15, ouais. Et mais attends, j'ai pas oublié un peu de faire un atelier de fabrication, moi. Bah si. Bon, les barils, je vais les mettre là. Je vais les mettre où mes barils là. Je vais mettre là les barils. Là. Tac. 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 Ouais, là je mettrai le truc de fabrication. Le radiateur, je peux le mettre au centre. Là c'est bon, ça affecte tout le monde. Dis donc la pièce là. Clark et son secret. Un éclaireur. Hop. Ouh, une menace d'origine mystérieuse. Bon. Allez, acceptons Clark. Et on va arrêter l'épisode ici. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez fait de différent. Voilà, voilà. Allez,
accepté et des bisous tout le monde.